Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous, mes très chers amis. Alors, cette petite vidéo, d'abord pour souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre la chaîne de Bernard, et bien sûr pour vous prévenir que bientôt, d'ici peu de temps, je compte développer et mettre en place, ma foi, des lives où on pourra un peu plus discuter et développer, ma foi, les sujets de société pour commencer. Alors, cette histoire de live m'est venue avec une abonnée que je salue, ma frangine, je te salue. Et d'ailleurs, cette frangine fera aussi ses lives sur sa chaîne que je vous donnerai un peu plus tard, sur sa chaîne, où on développera, si vous voulez, des lives un peu sociaux ou sociaux, enfin, où les parents pourront aussi s'exprimer sur les problématiques rencontrées à l'école, sur le comportement à avoir avec ses enfants, sur, ma foi, des questions, des raisonnements que nous, parents, nous nous posons, et bien sûr que vous aussi, parents, vous vous posez. Vous avez bien compris que l'éducation nationale est bien là dans un schéma de reproduction sociale. C'est-à-dire que nos enfants, eh bien, fassent le même travail que nous, que vous. Pour le moment, je ne suis pas actif, donc voilà. C'est-à-dire qu'ils veulent que reproduire, voilà, les enfants d'ouvriers seront des ouvriers. Alors, pour en venir à ce petit point, d'ailleurs, je développerai cette vidéo avec une vidéo sur Khaled Kelkal, qui le repose en paix, où, dans le fait entrer l'accusé, eh bien, ils expliquent que Khaled Kelkal était un élève brillant, fort en chimie, en sciences, donc des choses qui ne sont pas données à tout le monde, si vous voulez, et qu'il avait été, n'avait pas été reçu dans un lycée prestigieux de la ville de Lyon, et que sa copine, sa collègue de travail, de classe, hein, avait été reçue alors qu'elle avait de moins bonnes notes que lui. Et de là, si vous voulez, a commencé à mûrir en lui une certaine frustration. Donc ce sont ces choses-là sur lesquelles on va revenir. J'espère que vous serez nombreux à participer à ces lives, parce que ce n'est pas des lives pour parler des autres, ce n'est pas des lives pour parler des autres youtubeurs, pour parler de musique, non. C'est des lives, et ce n'est pas des lives pour parler de politique non plus. Non, 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 mes amis, non. J'ai bien compris que, nous avons bien compris que ces histoires de politique, ces histoires de magouilles politiques, complots, etc., etc., ma foi, ne donnez pas d'eau au moulin, si vous voulez, au moulin de la diversité. Alors, je pense que nous avons pris une bonne décision de s'organiser et d'effectuer des lives. Alors, pour les heures, on ne sait pas encore comment on va jongler sur les heures, et puis ça sera une fois sur sur ma chaîne, une fois sur sa chaîne. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus dans une prochaine vidéo. Et la parité, encore une fois, pour que il y ait aussi, si vous voulez, une chaîne tenue par une femme qui gère aussi ses abonnés. Et les histoires de femmes, parfois, c'est toujours mieux que ça se passe entre femmes, si vous voulez. Donc on a cette idée, et ça me renvoie à l'idée que j'avais eue dès le départ, où c'était une histoire de sociale, plutôt une chaîne sociale, une chaîne où on peut se donner des idées, se rencontrer, échanger, ma foi, et parfois éviter le pire. Je vous donnerai le nom de la chaîne de la sœur qui va aussi mettre ces lives en place, et je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo.
Pour conclure, la prochaine vidéo sera sur Khaled Kerkal, qui le repose en paix. Voilà, le terrorisme se nourrit de la frustration. Et vous voyez, ensuite, après avoir subi cette injustice, eh bien, ma foi, il a commencé à commettre des délits. Ensuite, il s'est fait interpeller, il s'est retrouvé en prison. Et de là, il a découvert la religion et il a découvert, si vous voulez, la frustration. C'était PyBHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Merci. Au revoir.